Amigos de Grave Acero, ya llegamos a Verbier y ahora vamos a visitar a Alex, el nuevo shaper del Nepark, el snowpark que hay atrás de mí. También organiza el evento El King of the Mountain. Así que no te pierdas esta nota y vení conmigo, vamos al snowpark. Alors, je m'appelle Alexandre Zilio, je travaille au snowpark de Verbier, plus particulièrement le Nepark 1936. Mon job consiste à, avec mes collègues, de faire un snowpark, de placer des rails, de faire du freestyle, enfin de permettre à des freestylers de pratiquer le freestyle. Oui, anciennement, parce qu'en fait je me suis un peu tout cassé et du coup il y a 4-5 ans en arrière, j'ai eu un truc un peu méchant à l'épaule et puis du coup je peux plus trop sauter, donc je me suis reconverti dans la création de modules freestyle en fait. Niveau en fait, parce qu'on a une ligne bleue, une ligne rouge, une ligne noire. Donc la ligne bleue c'est vraiment pour le débutant freestyler, c'est déjà quelqu'un qui s'est tourné, s'est tombé aussi, donc c'est pas ouvert aux débutants snowboarder ou skieur, c'est vraiment quelqu'un qui s'est déjà tourné, qui veut un peu plus de sensations fortes et qui vient s'initier sur les bosses bleues. Ensuite on a parcours rouge qui permet qu'un petit peu plus gros, et puis ensuite le parcours noir qui est vraiment là bien trash avec des bosses de minimum 15 mètres, et là il faut déjà avoir un bon niveau. À côté de ça, on a aussi une partie rail. Donc, en rail, c'est ce qu'on voit dans la ville, les mains courantes d'escalier. Donc, on les a placées comme jamais tu peux les trouver en ville, où il y a de la neige avant, après, pas comme en ville, justement. Et là, il y a des rainbow, plat descente, en courbe. Et franchement, c'est nickel, quoi. Alors, j'organise aussi le King of the Mountain en parallèle. C'est une compétition de freestyle international, ski et snowboard, c'est sa particularité. Parce qu'il y a 8 ans en arrière, il y avait très peu de courses où ils intégraient les skieurs freestylers. Et on a commencé il y a 8 ans, justement, parce que ça n'existait même pas les skis qui relevaient des deux côtés. Ensuite, on a... Donc justement le King of the Mountain, ça réunit tous ces freestylers européens, même australiens, américains, on a même eu des américains qui sont venus. C'est 60 coureurs qui viennent vraiment s'éclater pendant 2 jours dans le snowpark. America, America, esto es America, 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 esto es America. Cuando Dios se suele den, te suena America, cuando Dios se suele den, te suena America. Le meilleur gagne en fait le trophée du King of the Mountain, le roi de la montagne. America, esto es America. Salute à Gravedad Zero. Cuatro viernes me dejaste entre tus piernas aguantando el sudor con las puertas abiertas.